Le Piscine Sport, c'est une organisation qui cherche la paix à travers le sport et les sportifs. C'est une organisation neutre qui est en train de travailler partout dans le monde pour avoir des bases solides qui peuvent avoir une solidité pour les jeunes qui sont en train de grandir dans les pays pauvres où il y a une manquance de cohésion sociale où les gens quand même ne cohabitent pas ensemble. Et c'est une organisation qui est en train d'utiliser le langage universel qui est le sport, parce que c'est un langage sportif universel. Parce que ça ne distingue pas de couleur, de région ou de d'où il vient. Donc, quand on parle du sport, je pense que c'est une langue universelle et c'est la base de tout. Je suis le premier champion olympique. Je le dis parce que, en étant un champion olympique dans la zone du Grand Lac, je suis l'instrument qui peut véhiculer l'image positive pour le pays et pour le sport. Et dernièrement, je suis parti au Burundi avec le fondateur, le président Joël Bouzou. C'est la première fois que j'ai affranchi la frontière entre le Rwanda, le Burundi et le Congo. Et une autre chose qui m'a beaucoup émotionné, c'est de voir les enfants orphelins par la guerre, causés par la guerre ou le sida, qui participait au sport avec une joie d'avoir franchi les frontières où ils ne pouvaient pas faire et où c'est grâce au Piscine de sport qui a organisé les Jeux de l'Amitié. Les Jeux de l'Amitié, le Burundi ou le Congo, ils n'ont jamais organisé ce jeu. C'est grâce au Piscine de sport qui a donné cette idée, en fait que c'est pays puissent penser au sport et non penser aux choses politiques, mais seulement en faisant le sport, en faisant amuser les enfants. Et j'ai vu des choses jamais que je ne pense pas, et c'est vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et j'envisage aussi à travers le puissant de sport de travailler aussi avec les femmes, parce qu'en Afrique, les femmes n'ont pas encore une place pour pouvoir participer au sport. Nous avons encore un pourcentage très, très bas pour participer massivement au sport.